Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. C'était nombre 33 et 34 avec le chapitre 33 qui retrace tout le parcours des Israélites et toutes les étapes qu'ils ont faites avant d'arriver au pays promis. Ça peut paraître un peu fastidieux, on a tous ces noms d'étapes. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. La première, il y en a une qui est un peu marrante, c'est celle de l'étape d'Élim où ils arrivent, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Tu dis, est-ce que c'est un hasard qu'il y avait 12 sources d'eau alors qu'il y avait 12 rues en Israël, 70 palmiers alors que Moïse a désigné 70 anciens pour l'aider à accomplir sa tâche? Ça, c'est une petite parenthèse. La personne avec qui je fais ce plan de lecture actuellement, vous savez que dans YouVersion, on peut partager le plan de lecture, a fait une remarque qui m'a interpellé, dit, mais c'est intéressant de voir qu'il y a autant d'étapes. Il y a énormément d'étapes qui nous montrent qu'avant d'arriver dans le pays promis, et même avant que Dieu nous conduise là où on veut aller, il y a plein d'étapes. Et à chacune de ces étapes, souvent, il s'est passé des choses intéressantes. Le peuple, la plupart du temps, a râlé, mais ça a amené à écouter Dieu, la patience et tout un tas de choses. Et donc, je me suis amusé, je dis, tiens, c'est vrai, combien il y a d'étapes au final avant d'arriver au pays promis? Et donc, je me suis amusé à compter combien il y avait d'étapes. Et avant d'arriver dans les plaines de Moab en face du Jourdain, il y a 40 étapes. Ils se sont arrêtés 40 fois avant d'arriver en face. Donc, les plaines du Jourdain, c'est la 41e étape. C'est enfin la destination où ils vont traverser après le Jourdain, conquérir Jéricho. Donc, c'est la dernière fois où ils vont s'arrêter. Et 40 étapes, bien sûr, ça nous fait 40. On sait que c'est un chiffre symbolique. Premièrement, ça rappelle les 40 ans qu'ils ont eux-mêmes passé dans le désert. Et ça nous rappelle aussi tout ce processus de formation. Nous, on aimerait, Dieu nous dit, allez, va conquérir ton pays promis. On part d'où on est, prochaine étape, pays promis, blam, c'est réglé. On aimerait que ça soit comme ça. Partir d'où on est et la prochaine étape, c'est déjà où on doit arriver. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a eu 40 étapes et il y a eu un temps de formation, un temps d'écoute, un temps de préparation, un temps où Dieu leur a parlé, Dieu s'est révélé à eux, un temps où ils ont dû aussi se débarrasser eux-mêmes de ce qu'ils avaient dans leur cœur, hein, toute cette. Ce côté où ils étaient attachés encore au pays d'Égypte, où ils râlaient, où ils n'étaient pas contents, où ils auraient préféré rester là-bas. Il a fallu 40 étapes pour préparer le peuple, pour façonner le peuple. Alors, sois pas pressé. Oui, il faut se mettre en marche. Oui, il faut y aller vers le pays promis, mais ne sois pas pressé. Il y a des étapes. Il y a beaucoup d'étapes, souvent, avant d'arriver là où Dieu veut t'emmener. Alors, sois patient et laisse-toi façonner. Bonne journée.